Aujourd'hui, toujours sur le festival de désert numérique à Saint-Nazaire-le-Désert, nous avons Maxime et Alexandre. Alexandre qui sont donc en train de préparer une prestation ou une performance qui va avoir lieu sous la voûte dans la litre principale et qui vont donc justement peut-être nous en parler, sait-on jamais. Alors pour expliquer, en fait il y a une voûte, donc un peu sombre, et au bout de cette voûte, on a tendu en fait un drap sur lequel on projette un visuel. Et au milieu de la voûte, en fait, quand les gens approchent, la Kinect qui est juste devant le drap, en fait, les détecte, donc détecte leur mouvement. Et on projette en fait un visuel qui est joué par rapport à un son. Et par les mouvements, en fait, les gens déforment ce son. Et donc le visuel agit par rapport à ce son. Vas-y, teste. Vas-y. Donc c'est un peu l'idée d'être, enfin en fait de capter le mouvement des gens, qui se rendent compte qu'ils agissent vraiment sur l'installation, et en même temps c'est quelque chose de collaboratif puisqu'on peut être jusqu'à 3 en fait en gros. 3-4 personnes en fait à s'agiter devant et à... Voilà, l'argent de la voûte aussi limite le nombre de personnes. Ouais, c'est des petites contraintes de l'espace, mais ça rend plutôt l'endroit en fait bien, enfin... Je trouve ça pas mal d'avoir un visuel comme ça étrange, dans un petit quoi. Village en pierre. Parce que la voûte elle est en pierre et voilà. Du coup on projette un truc le très son résonne vectoriel. Aussi, Et si plus précisément qu'est-ce qu'on va voir? On va avoir une oscillation, on va avoir des vibrations. Alors on va avoir non, on a, en fait on a des visuels assez simples et géométriques, vectoriels qui bougent en fonction du son. Et quand on est détecté en fait on a des petits curseurs qui nous indiquent sous la forme de cercle, de triangle ou de carré, ouais. Toujours géométrique. Qui suivent nos mains en fait. Et du coup on se rend compte de l'endroit où on est et on se dit tiens d'un coup en fait ah mais ça c'est moi. Et, et on commence à jouer avec les avec formes, et là on commence à voir que ça se déforme vraiment. Et les gens se prennent au jeu, ils se mettent à faire limite des chorégraphies quand ils sont 2-3, essayer de faire on pourrait faire ça en même temps. Enfin, c'est assez marrant, même on a eu des personnes de tous âges. Ouais, on a eu des enfants hier d'ailleurs qui nous ont bien fait planter l'installation. Tellement ils bougeaient tellement ils étaient petits, du coup ils étaient mal détectés et ça rendait le truc compliqué. Et après, on a eu même des personnes âgées qui allaient un petit peu à tâtons comme ça, mais qui au bout d'un moment commençaient à comprendre. Voilà, on a eu 2-3 réfractaires qui n'osaient pas trop toucher. Ouais. Mais ceux qui se sont pris au jeu, au final, ils étaient vraiment dans le truc. Et c'est quoi comme musique? C'est du son ou c'est vraiment de la musique? Non, on a vraiment choisi des morceaux en fait un peu connus, un peu populaires comme ça, ouais. pour que ça soit plus facile à se dire « Ah ben, je suis en train de déformer quelque chose ». Parce qu'on s'est dit, si on avait des sons qui étaient un petit peu plus... bizarre ou déjà un peu travaillé, on s'est dit bon bah si on déforme ça, les gens vont croire que c'est déjà dans le morceau. Ouais. Parce que non seulement je vous prie de m'excuser, ouais, effectivement oui. Des fois je percute avec retard, mais ceci dit non seulement vous déformez ce qu'on voit, mais aussi le son. C'est vous ça. Déformez ça. La chanson. C'est le son qui a vient déformer. Ah, déformez la chanson, nom d'un petit bonhomme. C'est ça. Et ouais, ce qui nous intéressait oui, non, aussi. Attends, ils l'ont redit. C'est-à-dire que les gens agissent sur le son. C'est ça. Voilà. Et c'est ça qui fait vibrer les mains. Exactement. Ok. Moi, des fois, on ne reconnaît plus du tout la musique. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est d'arriver à des bruits complètement absurdes. Des aigus impossibles à écouter, enfin des choses comme ça. Quoi. Ah ouais. Allez, vas-y, fais-moi ce son. Et c'est une install où vous êtes, une fois qu'elle est en route, vous n'avez plus besoin d'être devant Si, on doit rester. Du coup, on est caché derrière le drap, donc si vous entendez des voix, si vous venez, vous entendez des voix, c'est... Et pourquoi faut empêcher que la machine ne s'emballe? Un peu, ouais. Un peu, parce qu'on est un peu comme des porcs. Alors. Passer les chansons, et puis il faut bien. Oh, passer les chansons, mon gars. Tu peux mettre une playlist sur un lecteur, c'est bon. Ouais, mais c'est pas si simple. Non, et puis comme ça, on se prend un peu pour des DJ, quoi.
On est derrière avec les lunettes de soleil, on boit un coup. On fait des spectacles de mime aussi. Chinoises aussi, ouais, en même temps. Non, mais c'est toujours pas mal aussi. En général, quand il y a un bug, on fait un petit avec spectacle. Avec les enfants, pour ça a bien marché. En fait, on leur a dit de se reculer parce qu'ils avaient fait planter la machine et on a entendu une petite voix qui disait oh, « C'est le drap qui parle !» Donc c'est bien avec la radio, le mystère est gardé. Voilà, on ne voit pas nos visages. On ne saura jamais. On ne saura jamais. Les résidents de Désert Nédémérique. Et vous avez tourné ailleurs ou vous allez tourner ailleurs du coup? Est-ce que c'est ça vous botte d'aller faire ça? Ah ouais, non, on est super. On a vraiment envie de continuer des choses comme ça, quoi. Mais là, c'était un peu juste là. On a fait ça juste là. Après, bon bah si ce truc-là peut marcher ailleurs, etc. Pourquoi pas? Ouais, on est. C'était une bonne idée, je trouve. Ouais, on l'améliorera de toute façon, je pense. Ouais, ouais. Ça nous a plu. Parce que du coup, là, on change des choses par rapport à aux réactions des gens la veille, etc. Le truc est en perpétuel développement. Ben merci les gars. Eh ben voilà, merci super, à vous. Ouais. Super install. Et à plus. Ben merci. À plus. Au revoir.